comunità per Cathy Leblanc, professoare la Institutul Catolic din Lille. O plăcere să o văd pe această doamnă și să-mi reamintesc profesorii care am avut eu la Institutul Catolic din Lille, care acum sunt colegii dumneiei. Ea ne va vorbi despre transportarea poetică la Heidegger. Și rog pe Iulian să facă un ultim efort să poată să vă redea celor care nu sunteți familiarizați cu limba franceză cât de cât esența acestei intervenții, care deja din titlul ei se anunță interesantă. Jean-Cathy Leblanc, un bodon, 25 minute, cu maximum, si vous voulez bien. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'accueillir. Madame, oui. Mettez le micro au plus près de votre bouche, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Parfait. Bon. Merci. C'est plus que parfait. Donc, merci infiniment de m'accueillir chez vous. C'est pour un grand honneur de contribuer à ce colloque, à ce dialogue. Alors, malheureusement, je ne suis pas théologienne, je ne suis que philosophe. Je suis aussi responsable des relations internationales de ma faculté à Lille. Et donc, je pense que c'est aussi l'occasion de nouer les liens. Alors, je vais vous proposer, en dernière lecture, en dernière conférence, une méditation. Qui n'est pas un propos théorique, mais véritablement méditatif. J'ai intitulé la conférence « Le transport poétique » ou, alors ensuite, « Le métamorphose de la vulnérabilité ». Alors, je vais vous parler d'un poème d'un auteur allemand, d'un poète allemand nommé Georg Trakl, qui a vécu de 1887 à 1914, et qui vit son œuvre commentée par l'un des philosophes les plus importants du XXe siècle, ou en tout cas le philosophe qui a révolutionné une façon de penser logico-déductive et spéculative, à savoir Martin Heidegger. Heidegger donc, est un représentant majeur de la pensée occidentale et de la phénoménologie, héritier de Husserl, il faut le rappeler, et professeur de Gadamer. Il va remettre en question la pensée par représentation, ça c'est très important, qui veut que sujet et objet soient radicalement distincts. Quelle entreprise? Comment remettre ses fondements en question? Comment réunir sujet et objet? Pourquoi il faudra sans doute une autre tradition culturelle pour le faire? Donc la raison de cette entreprise est simple. Heidegger veut retrouver l'être perdu, selon lui, par la pensée par représentation qui commence surtout à partir du platonisme. Il y avait, selon lui, avant Platon, une unité de pensée qui se divise ensuite. Il faut donc aller à la recherche de cette unité pour retrouver l'être en son entièreté. Les premiers penseurs de l'être sont les présocratiques. Donc, si ça vous intéresse, je donne un cours sur les présocratiques à Lille, qui comprennent à la fois un penseur comme Anaximandre de Milet, né à Samos, sur l'île grecque, mais aussi Héraclite d'Éphèse. Vous avez parlé du voyage de Heidegger en Grèce. Et, il voyage et puis il passe au large de la Turquie. Et quand il arrive près de la Turquie, il y a Héraclite le Turc. Voilà, donc, pour ces échanges, échanges de culture nécessaires à la construction de l'être. C'est donc, pour ne citer que ces deux penseurs présocratiques à cette époque, c'est-à-dire au 7e siècle avant notre ère, que Heidegger va essayer de rassembler les lambeaux de l'être. Nous ne nous occuperons pas donc des présocratiques. Heidegger ne se limite pas à cette quête, hein, donc j'ai juste voulu le signaler. Mais il est empreint d'une très solide culture catholique. Son père est sacristain de l'église Saint-Martin, cela ne s'invente pas. Son frère et lui sont dans un chœur, cela ne s'invente pas non plus.
Et c'est grâce à l'Église qu'il pourra recevoir une bourse d'études et aller étudier à Constance, notamment, d'abord au séminaire en théologie, et puis il bifurquera vers la philosophie après s'être engagé et avoir été extrêmement interpellé par la lecture de Franz Brentano sur les catégories de l'être chez Aristote. Donc l'influence de cette formation religieuse aura sur son œuvre une grande importance, même si officiellement Heidegger rompt avec la religion et de façon académique en tout cas, académique puisqu'il continue d'aller à la messe, il a sa place à l'église de Metzkirch et de Fribourg. Donc il n'y a pas une rupture complète, et Jean-Luc Marion parlera pour son œuvre d'une ontothéologie. Et il n'est pas anodin que dans un ouvrage intitulé « Autorwecht zur Sprache », qui a été traduit en français par « Acheminement vers la parole », on pourrait commenter beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup de temps, et dans un chapitre consacré au thème de la parole, on a parlé de la langue hier, du fait que la langue se désubstantialise, se désagrège, on parle du livre aujourd'hui, il y a quelque chose se produit, et nous devons être très vigilants, essayer de retrouver la consistance de la langue, des mots. Donc Heidegger choisit pour illustrer cette importance de la parole un poème qui met en scène symboliquement l'Eucharistie. On ne peut pas dire qu'il y a rupture dans son œuvre. Faisant intervenir un personnage dit, alors on traduit en français le voyageur, mais la traduction est mauvaise, c'est Der Wanderer, hein, comme dans la symphonie de Schubert, Der Wanderer, enfin, Der Wanderer. Donc le Wanderer, c'est celui qui erre, qui est en errance. Et il se pourrait très bien que ce voyageur ne représente nul autre que le Christ, et le moment, donc le poème, peut très bien représenter le moment de la résurrection, puisque la blessure est nommée, l'auteur, le poète parle de l'arbre des grâces. Autant d'éléments qui permettent à la fois une lecture, donc simplement entre guillemets poétique et profane, mais aussi une lecture théologique et religieuse. Donc il y a plusieurs niveaux d'entrée dans le poème, comme dans tous les poèmes, il y a énormément de niveaux d'entrée. Le sacré est au centre du poème. Il permet de restituer la langue et de soigner son appauvrissement. Et il est peut-être ce qui va permettre à Heidegger de ressusciter l'être. Nous avons choisi donc pour cette communication de relire donc, ce poème de Tracker, commenté donc, par Heidegger, pour redonner corps à la parole, pour faire ce voyage vers une parole plus substantielle, de le redécouvrir, de voir comment il incarne aussi ce dialogue entre l'Orient et l'Occident. Dans ce prolongement, donc, nous mentionnerons seulement, faute de temps, donc, d'autres sources qui ont nourri l'entreprise heideggerienne, notamment la pensée asiatique. Alors, on va examiner ce poème, je vais le relire en français. Soir d'hiver. Quand il neige à la fenêtre, que longuement sonne la cloche du soir. Pour beaucoup, la table est mise. Et la maison est bien pourvue. Plus d'un qui est en voyage arrive à la porte, sur l'obscur sentier. D'or fleurit l'arbre des grâces, né de la terre et de sa sève fraîche. Voyageur entre paisiblement. La douleur pétrifia le seuil. Là, resplendit, en pleine clarté, sur la table, pain et vin. Dans ce poème, un voyageur qui a longuement cheminé, certainement dans la forêt, on imagine la forêt noire, par exemple, sous la neige, dans la souffrance, de la solitude, arrive soudainement devant une maison éclairée, chaleureuse, où resplendit en clarté pure par le vin.
Au péril de l'hiver et de la solitude, c'est la cloche du soir. Au péril de l'hiver et de la solitude s'oppose soudain, sous la forme d'un événement composé d'une double ouverture du monde à l'homme. Donc le monde s'ouvre à l'homme, c'est le réaliste. Le monde s'ouvre à l'homme et l'homme s'ouvre au monde, ou le Dasein s'ouvre au monde. Cette double ouverture qui va constituer les fondements de l'Eremesse. Eh bien, au centre de cette ouverture se trouve la chaleur de la communion dans l'Eucharistie. Alors, ma question est la suivante. Quelle est l'expérience vécue par ce voyageur errant, puisque le terme utilisé en allemand est Wanderer? En écoutant le poème, nous avançons de l'errance à la destination, de l'isolement au rassemblement dans la maison, de la désagrégation à la cohérence, mais aussi à la cohésion, de la désespérance à l'amour de ce qui est donné. Nous sommes en pleine présence du mystère du don, puisque les hommes, si nous pouvons et même devons les imaginer, ne sont pas nommés. On les imagine, donc il y a tout un travail de l'imagination. Seul le voyageur est nommé. À ce stade, je vous demande ce que devient le transport de l'âme quand il est découverte par un quelconque voyageur de la chaleureuse vue, alors qu'il se tient à l'issue du poème sur le seuil de la maison. Nous sommes en hiver, sous la neige, le pain, le vin resplendissent sur la table en pleine lumière. La question que je poserai est celle de l'expérience vécue à travers le poème par ce voyageur très vulnérable dans un contexte de risque accru, celui du froid intense, symbole de la mort et de la solitude. Autrement dit, quel sens revêt-là le don du pain et du vin poétiquement mis en scène? Que signifie cette mise en scène ou cette mise en œuvre poétique? Quelle expérience de la vie cette rencontre figure-t-elle? Que signifie ce transport vers la chaleur et la lumière de l'Eucharistie? Pourquoi l'expérience poétique cesse-t-elle dès que ce voyageur aperçoit le pain et le vin? C'est la fin du poème. Pourquoi l'altérité présente n'est-elle présente qu'à travers des symboles? Voilà autant de questions donc suscitées par ce poème. L'errance du voyageur se présente comme une question à laquelle il convient de trouver une réponse, essayer, proposer une réponse. Je ne prétends pas répondre à ce mystère. Tout ce qui fait le ciment de la vie, pour lui, est absent. L'hiver est une période où la nature est éteinte, où les arbres sont dénudés, où la température, surtout en forêt, est très basse. À cette vision de l'extériorité s'oppose celle de l'intériorité, symbolisée par l'intérieur de la maison. Donc on va se voyager, arriver, puis on est aussi à l'intérieur de la maison. Et nous voyons la neige qui tombe. Cette intériorité est construite et manifestée par une conscience. Elle se dirige d'abord vers l'extérieur par la fenêtre où l'hiver fait rage à travers la neige, ensuite l'écoute de la cloche du soir, qui marque pour chacun un deuxième déplacement par lequel la conscience de l'intériorité se rend sur le lieu où cela sonne. Cette intériorité est protégée par la maison, qui figure en quelque sorte l'enveloppe corporelle ou, dans une lecture plus religieuse ou théologique, l'Église. On apprend aussi que, pour beaucoup, la table est mise. On imagine que chacun se trouve dans la maison, à regarder éventuellement par la fenêtre, écouter la cloche du soir qui appelle à la prière ou marque simplement, dans une autre lecture, le moment de la journée. Donc la table est mise, dans la lecture plus religieuse ou théologique, on voit l'autel avec le pain et le vin. Le pain est rompu, puisque les nombreux sont cités. Il est rompu à destination de la communauté.
On peut encore déterminer que l'on est à Pâques, car il est question du rameau blessé. Je cite Ésaïe, et un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton de ses racines portera du fruit. Donc on est vraiment dans cette référence. Également, de la gloire. On parle de la gloire. Et je cite toujours Ésaïe, « Il arrivera en ce jour-là que la racine d'Ésaïe, élevée comme étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son séjour ne sera que gloire. » D'or, dit le poème, d'or fleurit l'arbre des grâces, né de la terre et de sa sève fraîche. Il dit aussi, là, resplendit en clarté pure, sur la table, pain et vin, c'est-à-dire en clarté pure, helle, qui signifie que quelque chose brille de façon intense et peut désigner la gloire. Pour une lecture simplement existentielle, à la différence de ce qui réunit ainsi de nombreuses personnes, d'autres, également assez nombreuses, plus d'un, dit le poème, sont en voyage. Cela dit, le terme pour les désigner est singulier, donc plus d'un, c'est une figure singulière, ce qui nous amène à nous focaliser sur ce voyageur, sur une forme d'isolement relayée par le terme qui apparaît dans la strophe suivante pour désigner l'errance. L'arrivée du voyageur errant au seuil de la maison va le placer dans la lumière, et c'est un véritable miracle, donc d'autant qu'il neige et que la nuit est tombée le soir. Les sentiers obscurs ne sont pas simplement des chemins difficiles à emprunter, mais des chemins où la lumière n'est plus ou n'est plus tout à fait. On aperçoit, outre la solitude, la désespérance, l'isolement, le danger, l'absence d'orientation, puisque ces chemins, étant obscurs, ils ne répondent à aucun plan précis. Le voyageur arrive sur ce lieu sacré par un pur mystère. Il est comme à la dérive, mais cette dérive le conduit en un lieu chaleureux et éclairé. Il n'arrive pas n'importe où. L'errance et la solitude sont suivies de l'inespéré, au point que le passage symbolisé par le seuil est douloureux. Mais pour qui? Pour les voyageurs? Ou pour les nombreux qui le regardent entrer dans leur maison, le temple? On ne sait pas. Lecture à nous montrer. Cette forme d'errance n'est pas une quelconque errance, mais une errance qui mûrit dans l'obscurité du soir afin d'atteindre un lieu on ne peut plus sacré, puisqu'il est tout empreint de la chaleur et de la lumière du pain et du vin placé sur la table. Quel lien existe-t-il entre cette forme d'errance et le point d'arrivée? Quel sens faut-il y voir? Ou peut-on y voir? La seule réponse possible, enfin que j'imagine, hein, en appelle à la providence. Cela dit, l'obscurité suscite à certaines questions, à moins que la providence ne soit conçue comme une forme d'attraction qui défie les lois de la conception humaine, et qu'elle fasse converger les chemins d'errance vers l'espérance. Il y a là une véritable conversion de l'errance vers l'espérance. Que sont ces chemins obscurs, sinon le symbole de la nuit sans lumière, sans étoiles, de la nuit noire, où l'homme se cherche avant de se trouver, mais pas de n'importe quelle manière. Le déplacement poétique revêt effectivement ici une valeur d'exercice spirituel, par lequel le voyageur errant en vient à trouver l'humanité, mais aussi l'hospitalité. Et c'est là que le dialogue intervient. Donc l'hospitalité qui est dans le monde, mais aussi en lui-même et à l'intérieur de la maison. La langue et l'esthétique vont pouvoir mettre en scène la beauté du cheminement et mettre en œuvre un dialogue fondateur qui n'est possible qu'à partir de contrastes entre eux, l'obscurité, la lumière, le froid et la chaleur. Le questionnement et le dialogue ont ainsi articulé l'étrangeté du sentier à la familiarité de la demeure, de cet intérieur si convivial et généreux. L'intériorité est alors revisitée comme habitée, prête à l'émerveillement. Une question se pose, donc, peut-on comparer cette intériorité à l'intimité, parce qu'on peut aller jusqu'à penser l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité?
La question est très importante dans l'optique hébraïque. Elle est articulée à celle du voile, de la pudeur ou de la protection que l'on retrouve chez Omer et puis de l'apparence. Quand Ulysse se tient aux côtés du roi des Phéaciens et qu'il écoute le barde, il est à ce point ému par sa musique qu'il se couvre le visage de son étole pourpre afin de cacher non pas les larmes qui coulent de ses joues, mais bien ses émotions. Dans le poème que nous parcourons aujourd'hui, le seuil de la maison se tient à mi-distance de l'extériorité, associé au froid et rentre à la solitude, et de l'intériorité, associée à la chaleur et au rassemblement. Il faut le mystère pour tenir lieu d'intimité et de protection de l'intimité. Donc il n'est pas surprenant que le franchissement du seuil par ce voyageur occasionne une douleur. Cette douleur, donc, est un mystère, car on pourrait penser, à première vue, que le voyageur pourrait être soulagé d'arriver. Mais la douleur indique la stupeur. Il a oublié qui il était, il a oublié le monde, la lumière, dans toute sa symbolique, et il est frappé par l'intensité de ce qui réapparaît, de ce qui se ressuscite, l'intensité de cette intériorité qui restitue sa propre intimité, de même qu'elle lui restitue sa capacité de rencontrer l'altérité. Le seuil rappelle au voyageur errant qu'il est. Dans une seconde lecture, dans une lecture à 2 degrés, nous dirons donc que le voyageur errant retrouve son statut de baptisé, par lequel il a été intégré au corps du Christ, corps que nous retrouvons chaque fois que nous prenons part à l'Eucharistie. L'homme devient capable de la rencontre véritable, celle de l'autre, son double, de son image ou de son sauveur, dans la différence fondatrice. Il y a un partage qui ne se conçoit pas sans l'altérité, ni sans l'unité. Du voyageur, nous dirons encore que d'un univers en pointillé, parce qu'il arrive par d'obscurs sentiers, son histoire est faite de briques de broc, il parvient à un univers linéaire, et ça c'est très important pour aujourd'hui, parce qu'on est dans un univers qui se fragmente, un univers linéaire où peut se développer une trame narrative et s'écrire son histoire. L'avenir redevient possible par l'espérance, alors que l'obscurité et l'absence d'altérité, mais également de trajectoire, invalidée toute projection hypothétique, tout avenir. L'histoire qui s'écrit alors, dans la lecture existentielle de premier niveau, est l'histoire d'une quotidienneté éclairée et partagée, la narrativité de la vie dans ce cas-là, de plus rythmé. On assiste à la naissance de la temporalité, alors où le voyageur arrive, la maison est bien pourvue, la table est mise, c'est l'heure du repas, du partage. Ce repas qui implique la présence des membres de la famille ou de la maisonnée. Les personnes sont les unes avec les autres, et ça c'est très important, la capacité d'être avec les autres, de reconnaître l'autre. Et on pourrait parler aussi de la politesse aujourd'hui. La politesse, c'est là aussi d'être avec. Elle dispose donc ces personnes de l'être en compagnie, c'est-à-dire de la faculté d'être ensemble, pour reprendre une catégorie existentielle qu'utilise Heidegger dans les traitants. Ils sont donc tournés les uns vers les autres, dans le souci les uns des autres, par opposition aux voyageurs plongés dans la solitude, ignorés du monde, étrangers aux soucis que le monde pourrait avoir de lui. Le voyageur n'est personne pour le monde, il est comme occulté, mis de côté, avant d'arriver à la maison. C'est vers cet être en compagnie que va le conduire l'image de l'Eucharistie, qui va le lier aux autres par et à travers le pain et le vin, qui revêtent dans le poème donc une valeur sacrée. Par ailleurs, le repas est prêt, quelqu'un est allé faire les courses, probablement la maîtresse de maison. Je suis un clin d'œil aux dames qui sont ici. Et dans la fermente de ce que demande la tenue de la maisonnée, on imagine qu'elle a préparé le repas du soir, que la famille ou un autre membre de la famille arrive et présente autour de la table. Le repas sera servi à ceux qui se trouvent autour de la table. Des échanges auront lieu, les paroles auront lieu. C'est la traduction même donc de cette Eucharistie poétiquement mise en scène. Et en conclusion, je propose comme conclusion que ce transport poétique, dans toute la richesse de la poésie, ressuscite la langue. La parole qui le dit et invite les uns et les autres à se reconnaître et surtout à entrer généreusement en dialogue. Merci beaucoup.